Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, oh là là, attention, un monument de la chanson française, Indochine, nos célébrations. Et là, on retrouve Indochine, puissance 1000. Ça serait bien que tous les groupes d'avant, que j'adore, reviennent et redonnent l'âme du groupe qu'on a aimé, quoi. Parce que franchement, ça manquait. Ça manquait. Merci beaucoup. La voix toujours au top, les paroles toujours au top, le clip est magnifique. On commence ce tuto avec la petite phrase d'introduction. C'est parti. Donc, pour la phrase d'intro, on va jouer deux petites notes, hein, tranquille. Donc, la case 3 de la deuxième corde partant d'en bas. Puis, la même corde à vide. Ce qui fera donc 3, 0. Puis, la case 2 de la troisième corde partant d'en bas. Ce qui fait donc 3, 0, 2. On redescend à vide, en 0. Puis 3, 3, 2 fois le 3, à vide à nouveau. Et on remonte, 2, et on descend à vide. Ça, c'est à jouer deux fois. La tablature s'affiche, vous mettez pause et vous vous entraînez. Donc je vous le joue. Encore. Ok. Et pour finir ça, avant d'attaquer la rythmique, le couplet et le refrain, eh ben, ça fait troisième corde partant d'en haut, case 2, puis en dessous, la troisième corde partant d'en bas, 0, 0. Alors attention, faut attendre, hein, ça fait... On remonte à vide, sur la troisième corde partant d'en haut, 2, et à vide. Une fois qu'on a fait ça, on va sur la deuxième corde partant d'en bas, 1, 1, on attend, 1, on attend, 1. La meilleure technique pour avoir le rythme, c'est d'écouter l'original, d'avoir appris les notes, de les placer sur l'original. Si la chanson va trop vite pour vous, vous ralentissez la vidéo grâce à YouTube, faites fonctionner votre oreille. Faites fonctionner votre oreille, c'est super important. Et donc maintenant, je vous rejoue le tout, et après, je vous montre les accords, la rythmique, et à vous de jouer. Donc c'est parti. Allez, je vous montre les accords, la rythmique pour le couplet, pour le refrain, et à vous de jouer. Plaçons un capodastre en case 4. Les accords, ça commence avec un sol majeur. Donc, traditionnellement, 3, tout en haut, puis 2, 0, 0, 0, et 3. Moi, souvent, vous allez me voir rajouter le petit doigt à la place, et celui-là ici, en 3. Ce qui ferait donc 3, 2, 0, 0, 3, 3. Ça, c'est un choix personnel. Deuxième accord, un Ré majeur. Donc, 2, 3, 2 et 0. On ne joue pas les deux premières cordes. Puis, Mi mineur. 0, 2, 2, 0, 0, 0. Et ensuite, un Do majeur. Rien, on ne joue pas cette corde. 3, 2, 0, 1 et 0. Ok. Donc, il restera un accord à voir pour le refrain. Mais sinon, le Mi mineur, le Do et le Sol, on les retrouve. C'est juste qu'on va... À la place du Ré, on aura un La mineur. Je vous le montre tout de suite. Le La mineur, ça sera comme ça. On joue pas la grosse corde. 0, 2, 2, 1, 0. Ça sera l'accord qu'on va en fait rajouter. Et on enlèvera le Ré et on changera l'ordre des accords. Pour le couplet, on fera une rythmique deux fois par accord. Donc les accords, c'est Sol, puis Ré, Mi mineur, Do majeur. La rythmique, elle est toute simple. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. Tout simplement, bas, bas, haut, haut, bas, haut. La rythmique est à jouer deux fois par accord, c'est parti. Bas, bas, haut, haut, bas, haut, 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 bas, bas, haut. On reprend. À faire deux fois, donc deux fois pour le couplet et deux fois pour le refrain. Maintenant, je vous montre pour le refrain. Alors, pour le refrain, c'est un La mineur et ce sera une fois par accord. La mineur, Mi mineur, Do, Sol. Je vous le dis avec la rythmique. Bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Voilà, il n'y a rien de plus. J'espère que ce tuto vous aura plu.
Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si vous voulez m'aider à faire exploser les vidéos et qu'on ait encore plus de tutos récents comme ça. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.